Chers téléspectateurs, bonjour et très heureux de vous retrouver et de retrouver aussi ma princesse, Jemima Ekane. Je suis content de te retrouver, bébé. Tu m'as beaucoup manqué, hein? Moi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Et merci pour la surprise. Quand je suis rentré tout à l'heure, elle m'a fait une très belle surprise. Tu étais caché, hein, bébé? Et je t'ai dit surprise. Et c'était génial, hein? Tu as réussi à faire ta surprise. Mm-hmm. Tu m'as eu, hein, bébé? Que le Seigneur te bénisse. Qu'il veille sur toi. Amen, papa. Qu'il te garde. Amen, papa. Qu'il te rende sage et très intelligente à l'école au nom souverain de Jésus. Amen, papa. Voilà, bien-aimé, je sors tout simplement comme ça de la montagne où j'ai passé toute cette semaine et je rends grâce à Dieu pour les choses que mes yeux ont vues là-bas et que mes oreilles ont entendues. Et je voudrais tout simplement rassurer nos chers amis, nos abonnés, nos téléspectateurs, nos frères et sœurs, que ce dimanche 4 juin, ce sera le premier culte. 5 juin, ce sera le premier culte du mois de juin. Donc, ce sera un moment extraordinaire et je ne sais pas sur qui je vais prophétiser le premier. Je ne sais pas sur qui je vais prier le premier. Dans tous les cas, je ne sais pas qui je toucherai le premier. Mais heureuse la personne sur qui je prierai en premier ou bien la personne sur qui je prophétiserai en premier. Il faut savoir que le mois de juin est un mois extraordinaire, c'est un mois redoutable et terrible, c'est un mois de prodige, un mois de bouleversement divin et prophétique. Vous savez que j'ai une réunion tout à l'heure à partir de 14h avec tous mes fils dans le but de préparer l'arrivée du prophète Joël Francis Tatou et de son épouse, Maman Simiane Tatou. Donc, ils seront là le 24, le 25 et le 26 pour un grand programme au Palais des Sports de Ouarda. Donc, nous serons là pour 3 jours. Ce sera extraordinaire. Et je sais que le Seigneur réserve des choses extraordinaires. Il y a des signes qui sont en train de se produire. Donc, j'ai réuni tout à l'heure avec tous mes fils. Si vous êtes mon fils, vous êtes en train d'écouter cette annonce. Regardez ce direct, vous n'étiez pas au courant. Alors, prenez votre voiture immédiatement. Et retrouvons-nous à la bière à partir de 14h, tout à l'heure. À partir de 14h. Donc, je dois parler avec tous mes fils, ceux qui ont des ministères, ceux qui n'ont pas de ministères, tous ceux qui se sentent concernés et qui veulent participer à l'organisation de ce programme dont nous allons travailler sur le plan organisationnel pour voir quelles sont les responsabilités à dispatcher à chacun d'entre nous. Donc, on va parler sérieusement. Donc, le programme se déroulera en 3 phases, 3 jours. On a vendredi le 24 à partir de 15h au Palais des Sports de Ouarda. Et samedi, 8h, 12h, ce sera la conférence des hommes de Dieu du côté de la Bire. Ce sera la Bire à l'église. Je serai là avec lui et son épouse. Donc, c'est une conférence d'impartition à huis clos. Donc, il y a des inscriptions, il y a des modalités à remplir pour participer à la conférence. Elle n'est pas ouverte au grand public. Mais le reste du programme est ouvert à tout le monde. Dans la conférence des hommes de Dieu, on s'inscrit. On s'inscrit. J'ai dit qu'il y a des frais d'inscription pour la conférence des hommes de Dieu. Donc, il faut que les hommes de Dieu commencent à se préparer et à s'inscrire. Donc, maintenant, il y a les numéros. Les numéros, Reverend Bassama, on peut afficher cela. Donc, il y a les numéros que vous pouvez appeler. Donc, faites attention aux arnaques. Donc, appelez le numéro, on vous dira qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à la conférence d'impartition. Donc, nous n'avons pas voulu que ce soit quelque chose juste comme ça, qui va rassembler des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Cette conférence, elle est tellement, tellement, tellement importante et utile pour l'Église au Cameroun et pour la jeune génération qui monte. C'est l'occasion pour vous de rencontrer deux prophètes, Roé, deux prophètes, Osé, et deux prophètes, Nebi, qui pourront secouer leur manteau sur vous. Et je pense que je vous ai enseigné longtemps sur la loi du haut de Communion. Donc, on va revenir là-dessus. Et je sais que la gloire de Dieu se révélera. Tous les hommes de Dieu, femmes, hommes, qui attendent une révolution ministérielle et prophétique dans leur vie sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan numérique, nous allons prier pour débloquer
toutes ces choses-là, comme la Bible dit, de ce soidas, cleidas, tes basilea, ton oranoi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Oyan luces, epites, ges, estail, le menon, en tois oranois. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Oyan luces, epites, ges, estail, le menon, en tois oranois. Donc, ça sera un moment de puissance, d'impartition, où l'huile, la corne des prophètes sortira, l'huile sera versée sur la tête de tous ceux qui seront participants. De ne manquez pas cela. Donc ça, c'est samedi le 25, de 8h à 12h, à la Bire, en Kouaban, au sein même de l'église. Voilà, parce que j'ai discuté avec lui, il veut rendre visite à l'église, et c'est important. Et le soir, à partir de 15h, nous continuons le programme avec tout le public au Palais des Sports de Ouarda. Tout le monde, c'est ouvert, c'est gratuit, il n'y a pas de contribution, il n'y a rien à faire, vous arrivez. Et dimanche le 26, c'est le culte national où toutes les églises Rema vont se réunir au Palais des Sports de Ouarda. Donc, enfin, toutes les églises sur tout le territoire camerounais. Et tous nos invités qui viendront d'autres nations, les gens viendront de tous les pays, quel que soit le pays. Vous voulez venir rencontrer, parce que vous savez, parfois, tu as l'occasion de rencontrer un prophète. Mais rencontrer deux prophètes majeurs, et c'est une occasion inédite. C'est une occasion qui ne se répète pas régulièrement. Donc, tu veux profiter de cette association de mentors et d'anciens et d'alliances. S'il te plaît, tu peux voyager. Voyage, quel que soit ton pays, et viens bénéficier de la grâce de Dieu pour toi, ton ministère, tes affaires, ton mariage, quel que soit le domaine de ta vie où tu as soif de voir la main de Dieu. Dès le 25, à partir de 15h, nous serons au Palais des Sports de Ouarda. Bébé, arrête s'il te plaît. Et le 26, c'est le culte national. Et nous serons bénis d'avoir pour orateur mon frère et mon bien-aimé, mon ami, le prophète Joël Francis. Et ce sera un culte terrible. C'est-à-dire que ce sera quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On va aller dans la délivrance, dans le prophétique, dans la bénédiction du peuple, dans les profondeurs de l'enseignement, de la parole de Dieu, un enseignement qui va consolider votre foi. Ça sera des coups doubles dans tous les cas. Et la précision maintenant, pour tous ceux qui veulent une percée financière dans leur vie, ceux qui veulent une percée financière, qui veulent bâtir un hôtel dans la vie de l'homme de Dieu, la journée de lundi le 27, ce sera à la Bille, lundi le 27. Ça dit lundi le 27, à partir de 10h, 16h, c'est 16h, lundi le 27, 16h. Lundi le 27, à partir de 16h, le soir, il y a la rencontre de tous ceux qui veulent bâtir un hôtel. Ça veut dire, quand on dit bâtir un hôtel, tu veux semer dans le ministère, tu veux semer entre ces deux manteaux, tu veux déposer une offrande et dire, Seigneur, je me connecte, je ne veux pas que ce programme passe sans laisser des traces dans ma vie pour l'éternité. Alors ce sera uniquement ouvert pour ceux qui veulent bâtir un hôtel devant Dieu, entrer dans une nouvelle alliance dans leur vie financière, que ce soit dans la carrière, dans les affaires, dans les projets, ou bien même pour le mariage. Dans tous les cas, il y a un miracle, même pour la guérison. Si vous êtes malade, il y a une situation compliquée dans votre vie, vous voulez avoir cette solution, ça fait des années, vous n'avez pas pu avoir la solution. Donc lundi le 27, ce sera uniquement pour ceux qui veulent venir bâtir un hôtel en déposant une offrande spéciale devant le Seigneur, et eux seront bénis dans leurs finances et dans le champ de prédilection de leurs besoins. Donc voilà un peu. Et puis je pense que mardi le 27, le couple retournera au Congo. Donc voilà de façon détaillée le programme de ces 3 jours. Alors pour le reste, le Seigneur vous bénisse, vous aurez au fur et à mesure des recommandations plus claires. Et je pense que j'ai donné l'essentiel. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 14h avec tous mes fils. Alors, je sors de la retraite. Je vais rapidement, moi aussi, me battre pour m'apprêter et aller tenir la réunion tout à l'heure. Et ce dimanche 5 juin, je serai à l'église et je pense que ma sortie sera phénoménale et sera redoutable. Heureux ceux qui seront cultes. Et je voudrais vous inviter à ne pas manquer au programme de ce mois. Je commence par le vendredi. À partir de vendredi prochain, nous aurons des vendredis redoutables. Je vous dis la vérité. Donc, soyez là. Et le dimanche, soyons là avec tous nos enfants. Ce dimanche, sois là avec toute ta famille, quel que soit le prix. Parce que vous êtes un homme de Dieu, vous savez, Dieu, il y a des hommes de Dieu à qui Dieu est en train de parler. Que soit là dimanche. Je ressens ça dans mon esprit. Si vous êtes là, en train de m'écouter, même si c'est après, venez dimanche, je veux prier avec vous.
Je veux vous bénir. Et je sais que le Seigneur m'exaucera à votre sujet. Pour le reste, que le Seigneur dispose comme il voudra. Rendez-vous tout à l'heure et j'ai hâte de te voir tous les dimanches du mois de juin à 7h30 à la Bire du côté de Nkouaban à Yaoundé. Et le soir à partir de 16h du côté de Douala. Et il faut dire qu'à Bertois, c'est au niveau de l'ancienne SCT à partir de 7h30 aussi. Et nous avons des églises partout au Cameroun. On a aussi des églises au Togo, en Europe et au Bénin, etc. Pour le reste, que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure. Bye.